Ce soir, Montréal.tv se trouve à l'ouverture officielle du Golden Crab, une création des propriétaires du restaurant Le Chien Fumant. C'est une salle événementielle qui marie à merveille la festivité, la gastronomie et l'art contemporain. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ça ici, le Golden Crab? On avait un problème au Chien Fumant qui était que le restaurant est vraiment petit. Donc, pour agrandir notre réseau, on a décidé d'ouvrir une salle événementielle pour pouvoir accueillir tous nos groupes corporatifs, toutes nos parties privées. On a décidé de joindre l'utile à l'agréable en jumelant ça avec une galerie d'art. Puis qu'est-ce qui vous rend unique selon toi? Est-ce que c'est ça le concept de marier la galerie d'art, la gastronomie? Pas nécessairement. La galerie d'art nous permet d'habiller les murs en ayant des vraies œuvres et non seulement de la décoration. Ce qui nous rend différents, c'est du côté événementiel, qu'on prend l'événement de A à Z. On peut l'amener d'une idée jusqu'à un projet. On fait n'importe quoi. Ça peut être un événement sushi comme un barbecue ou un cocktail dînatoire ou un souper de cigare assis. Tout se fait ici. Ce qui est une des forces ici au Golden Crab, c'est qu'on a la cuisine complète en faisant aussi la cuisine sur place. Marco, le Golden Crab, c'est une salle événementielle, mais c'est aussi une galerie d'art. Absolument. C'est un local, en fait, qui est voué à promouvoir les artistes montréalais, mais de tout acabit, c'est-à-dire des artistes contemporains qui sont bien établis, des artistes du marché secondaire sont des collections qui sont très, 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 très précises et nichées, puis ben n'importe qui voudrait bien exposer sur nos murs. Véro, j'aimerais ça que tu me parles de tes impressions de la salle ici. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une belle salle lumineuse avec plein de potentiel. On peut mettre plein de tables, on peut faire juste un party. J'adore ça, je trouve que c'est une excellente idée. Puis j'aime bien le côté aussi que tu le vois pas si facilement de dehors. Ça fait un peu comme underground, tu sais. Je me sens à Brooklyn. Urbain, mais chic en même temps. Exactement. Louis, j'aimerais que tu me parles de tes impressions par rapport à la salle ici ce soir. Bien, en fait, je suis très heureux, je trouve ça beau. Évidemment, j'ai vu le développement un peu de ça, puisque c'est avec mes amis du Chien Fumant qu'on développe ça. Fait que je suis très heureux de ce que ça donne, je suis très heureux que les gens puissent venir faire leur tour. Et j'ai très hâte aussi qu'on puisse finir tous les aménagements l'été prochain de la salle à l'extérieur, parce que c'est souvent comme ça, tu sais, il y a des salles, nous, on fait comme des rap parties, des parties dans notre industrie. Et je trouve que la salle est juste une bonne grandeur, que ça reste chaleureux, qu'on puisse faire différentes choses, que ce soit des présentations ou des parties, des cocktails dînatoires ou des soupers assis. Fait que c'est vraiment comme une belle flexibilité. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent en partant d'ici, du Golden Crab? Bien, le Golden Crab, évidemment, c'est une salle événementielle qui est un peu plus haut de gamme. On essaie de faire les choses assez bien. On essaie de garder la qualité du service du Chien Fumant, de l'amener ici dans la nouvelle salle d'événement. Je veux que le monde y parte d'ici et dise « OK, oui ». On a été bien servi, on a bien mangé, l'événement était bien encadré, tout a bien fonctionné.